Bien, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment modifier quelques imperfections, par exemple sur une photo, admettons, je sais pas, un grain de sable dans l'objectif, ça peut arriver. Enfin, moi c'est ce que j'ai, en tout cas c'est ça mon problème. Je vais vous montrer comment faire avec Photoshop. Donc c'est très simple, vous allez ouvrir Photoshop. Bon, vous voyez, c'est Windows 10, j'ai fait la mise à jour là pas longtemps. Donc voilà, superstition, voilà, nickel. Donc vous allez faire fichier, nouveau. Donc là, je vous conseille du Full HD, du 1080p, hein, ou alors vous prenez carrément la résolution de votre photo. Bon, je crois que c'est du 1080p. ok, donc là vous faites ok. Voilà, donc ça rame un petit peu, je suis désolé, avec comme Stasia là, parce que Action, j'ai un problème avec Action, donc voilà. Donc après vous faites importer, hop, et vous faites photo à modifier, vous faites importer, voilà, on va bien la redimensionner, parce que généralement les photos de bonne taille, ils les redimensionnent mal, voilà, vous faites ok, voilà, donc là on va le dynamiser. Hop. Et là vous voyez, vous avez des grains de sable tout moche. Donc c'est simple, vous allez prendre le bouton pansement. Voilà. Le bouton pansement, voilà, vous prenez. Et vous avez juste à faire ça et ça va vous le corriger automatiquement. Voilà. Hop. Hop, tac, tac, hop, hop. Hop. Mais vous pouvez rester appuyé. Hop. Voilà, ça va tout corriger. Et rien qu'en 2 millisecondes. Quand vous zoomez, voilà, vous avez plus les, problèmes. Regardez, si on fait fichier, donc exportation, rendu vidéo, donc là hop, une image rendu, tac, voilà, il est rendu. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, donc quand on compare les deux, ouvrir, et donc celle-ci. Donc celle-là, c'est avec les grains de sable que vous pouvez voir ici. Voilà. Voilà. Hop. Et celle-ci sans les grains de sable. Oui, vous pouvez zoomer tant que vous voulez, vous n'avez plus de grains de sable. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était comment modifier les imperfections. Et à bientôt.